que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Aujourd'hui, il fait moins chaud, donc pour crocheter, c'est déjà plus agréable. Donc aujourd'hui, on va faire quelque chose qui est uniquement pour débutants, pour des personnes qui n'ont jamais pris de crochet de leur vie. Et je suis sûre que vous allez adorer ce tutoriel. C'est très facile à faire. Vous allez apprendre à faire 3 points différents. C'est très rapide. Donc, c'était une petite lavette en coton qui est très agréable. Elle est économique, biologique. Voilà. Donc, très bien. Même pour les bébés, vous pouvez utiliser. C'est en coton. J'ai mis des petites choses à côté pour vous montrer que vous pouvez faire un petit cadeau. Pourquoi pas pour Noël, les anniversaires. Alors, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous souhaitez avoir les notifications, il suffit de cliquer sur la petite clochette qui est juste à côté où c'est marqué s'abonner. Vous avez dans la descriptif, dans la description, description de cette vidéo, vous avez donc les liens pour nous venir nous rejoindre sur notre groupe Crochetons ensemble et également pour aller visiter donc le site où il y a plein de choses. Je vous mets plusieurs descriptifs donc pour la laine, également pour les crochets que j'utilise, que vous pouvez acheter sur Amazon. Voilà, allez, c'est parti. Donc pour réaliser la lavette en coton, vous allez avoir besoin de laine. Alors moi j'ai pris un coton, celle-ci j'ai trouvé donc à Action. J'aime beaucoup beaucoup les laines Action parce qu'ils sont pas chers et en plus la qualité elle est vraiment très 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 bien en fait. Donc ce coton c'est un coton 50% coton, 50% acrylique. Par contre c'est des toutes petites bobines, voilà, c'est des toutes petites pelotes. Moi, j'appelle ça des bobines parce que c'est tout petit et c'est pas du tout comme une pelote. Là, celle-ci, elle fait que 50 grammes, il me semble. Ouais, même pas. Vous voyez, 43 grammes. Donc, c'est idéal pour faire ce genre d'ouvrage. Donc, si vous trouvez pas donc ce genre de laine, faites attention de prendre, de pas prendre énormément de laine parce qu'il faut pas grand-chose pour faire la lavette. Hein. Donc, un peu de coton. Ah, donc celle-ci, si on regarde bien, où est-ce que sont... Voilà, ça se crochette sur un 4,5-5. Moi, je fais du crochet assez lâche, donc j'ai pris un 4 mm. Voilà, alors si vous n'avez pas de crochet, je vous mets dans la description donc les crochets que j'utilise, que vous pouvez l'acheter sur Amazon. Et on va aussi utiliser donc une mesure pour bien définir le carré. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite à faire notre jolie lavette en coton. Alors, comme j'expliquais au début, c'est vraiment pour débutants. Donc, je vais aller assez doucement, voire très doucement. Donc, pour celles qui savent déjà crocheter, eh ben, regardez sur ma chaîne, il y a peut-être d'autres ouvrages que vous souhaitez faire parce que celle-ci, c'est vraiment pour les débutants, pour les apprendre à faire les premiers brides, etc. Donc, je vais aller vraiment très, très doucement pour expliquer. Alors, on va commencer par faire des mailles chaînettes et on va monter tant de mailles pour faire donc la dimension de notre carré. Alors, moi, je dis carré. On n'a pas besoin, ça n'a pas besoin d'être un carré. Si vous voulez faire un rectangle, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai voulu donc faire un carré. Alors, si je prends la mesure, ceci fait, voilà, un carré de 20 cm. Vous voyez? Donc, en fait, on va monter autant de mailles pour faire 20 cm. Notre bout de laine, on va faire une maille, on va attacher en fait le coton sur le crochet. Donc vous avez vu, je refais vraiment, je vais aller tout doucement. Donc on fait une boucle, on pose, on va prendre le crochet.
On rattrape la laine et en allant doucement, c'est pas évident, donc je refais. Ainsi, on attrape le crochet, attrape la laine et on tire. Voilà. Donc là, il est bien attaché sur le crochet. Et on va monter nos mailles. Donc, on va faire une chaînette ou une maille en l'air. Et là, c'est des chaînettes. Donc, on met de la laine sur le crochet et on tire à travers pour faire une maille. Donc là, c'est 1. Moi, je vais faire donc 20 pour voir si ça donne la bonne longueur. 2. On prend la laine. 3. Prendre la laine 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà. Donc on a 20. À mon avis, ce n'est pas assez. Il faudrait en faire un petit peu plus. Oui. Donc je vais rajouter encore 5. 21, 22, 23. 24, 25. Voilà. Alors moi, je vais rester à 25. Si vous voulez faire plus grand, vous pouvez. Moi, je vais rester à 25 mailles. Alors, pour commencer, on va faire une maille en l'air. Celle-ci est donc la maille qu'on utilise pour retourner le travail. Et à chaque fois, vous allez voir, on va faire la même chose. On va faire une maille en l'air. Et on va commencer ce rang par des mailles serrées. D'accord? Ce sont les premières mailles que vous allez apprendre. C'est la maille serrée. Donc là, on a fait une maille en l'air. On pique pas dans la maille ici, qui est la première. Qui est la maille en l'air. On va piquer dans la deuxième et on va faire directement piquer, d'accord? On ramène, on accroche la laine sur le crochet, on ramène à travers. Là, on a 2 mailles sur le crochet. On reprend de la laine et à travers les deux. Là, c'est notre premier maille serré. On va faire pareil dans la prochaine maille qui est à côté. On pique, on ramène la laine, on remet de la laine sur le crochet et on ramène à travers les deux. On pique, on apprend de la laine, on ramène à travers. De la laine sur le crochet. Et à travers les deux. Alors, je ne vais pas parler des mots techniques. Voilà, j'essaye d'aller au plus simple parce que on va pas déjà vous faire peur par tous les mots techniques à chaque fois. Donc, en fait, là, on pique, on prend de la laine. Alors, quand on prend de la laine, on appelle ça un jeté. Donc, on prend de la laine, un jeté, à travers, on reprend de la laine, donc encore un jeté, et à travers les deux. Voilà. Alors, on va continuer jusqu'au bout. Vous faites tout le long et je vous reprends dès qu'on est à la fin. Donc, j'arrive ici dans la dernière maille qu'il ne faut pas oublier. Même si elle est tout au bout, il faut quand même faire notre maille serrée. Voilà, donc là, vous avez fait votre premier rang de mailles serrées. Le rang suivant, on va faire... Alors, effectivement, la mienne est un peu
petit parce que pour aller plus vite pour la vidéo, mais vous pouvez faire plus long. Là, j'ai fait 25 mailles. Vous pouvez mettre 30 mailles si vous voulez. Peu importe, c'est vraiment vous qui choisissez donc la grandeur de votre ouvrage. Et on va, pour le rang suivant, on va faire des demi-brides. Voilà, donc là, vous avez fait les mailles serrées. Maintenant, on va faire des demi-brides. Ce que vous allez faire, au bout ici, vous allez faire deux mailles en l'air qui comptent pour notre premier demi-bride. Donc, les mailles en l'air, c'est comme des mailles chaînettes. Comme ceci, vous allez tourner votre ouvrage dans le sens du travail. Donc ici, c'est notre premier maille serré. Au-dessus, vous avez votre premier demi-bride, puisque celle-ci va compter comme une demi-bride. Et on va travailler donc dans la suivante. D'accord? Donc pour faire une demi-bride, cette fois-ci, on fait un jeté, donc on met de la laine sur le crochet et on va aller dans. Donc ici, vous voyez, il y a un petit espace, un petit trou. Il faut piquer dans la maille ici. On reprend de la laine derrière. On tire à travers. On a trois sur le crochet, trois mailles sur le crochet. On refait un jeté, on reprend de la laine. Et on tire à travers les trois. Comme ceci. Vous voyez, donc on a notre premier bride qui est les deux mailles en l'air, demi-bride. Deuxième demi-bride. Encore on fait un jeté, on pique dans la suivante. On prend de la laine, on ramène, on a trois sur le crochet. On reprend de la laine et à travers des trois. Encore une fois, un jeté, on pique dans le maille suivant, on ramène, 3 sur le crochet, un jeté, on reprend de la laine et à travers les 3. J'en fais une dernière, un jeté, on pique dans la maille suivant, on ramène la laine, un jeté et à travers les 3. Et on va jusqu'au bout de la même manière. D'accord? Donc je vous laisse aller au bout de votre rang et on se revoit juste après. Voilà, donc je suis arrivée au bout. Je fais dans la dernière. Alors il ne faut pas oublier. On va faire notre demi-bride dans la dernière, comme ceci. Donc là, le premier rang, c'est un rang de mailles serrées. Le deuxième rang, c'est un rang de demi-bride. Et là, nous allons faire un rang de bride. Donc cette fois-ci, on va monter deux mailles chaînettes. 3 plutôt, 1, 2, 3, qui compte donc pour notre premier bride. On tourne le travail et on va travailler, là on a notre première, on va travailler ici. Donc on prend de la laine, un jeté, on pique ici. Alors faites attention, pas ici puisqu'on a déjà notre bride qui est là. Celle-ci, c'est les trois mailles en l'air comptent pour le bride, donc c'est celle qui est après. On fait, alors je ne vous ai pas expliqué, je reprends. Donc on prend de la laine, on va piquer dans la maille, on reprend de la laine, on a trois sur notre crochet, on reprend de la laine à travers deux. On reprend de la laine et à travers deux. Donc celle-ci, c'est notre bride. Donc la première bride, deuxième bride. On continue, on prend de la laine, on pique dans la maille, on reprend de la laine derrière, on ramène à travers,
On reprend la laine à travers deux. On reprend la laine et à travers deux. Encore une. Jeter, on pique, on reprend la laine à travers, on a 3 sur le crochet, on reprend la laine à travers 2, on reprend la laine à travers 2. Et là, on a fait donc des brides. Encore une fois, à travers 2, prendre la laine à travers 2. Reprendre la laine, un jeté à travers 2, à travers 2. Voilà, donc là on a fait, on commence un rang de brides. Donc vous allez travailler jusqu'au bout et je vous reprends à la fin. Et donc là j'arrive à la fin de mon rang avec les brides, vous voyez. Et vous rappelez, pour le rang de demi-brides, nous avons fait 2 mailles en l'air pour commencer. Donc en fait, il faut, c'est bien, les 2 mailles en l'air, ça compte comme demi-bride. Donc il faut terminer dans ces 2 demi-brides. Donc on va faire notre dernier. Donc on compte une maille en l'air, 2 mailles en l'air, on pique dans la deuxième maille en l'air et on finit donc notre bride dans celui-ci. Voilà, donc là on a terminé le rang de brides. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir à notre premier rang, qui est un rang de mailles serrées. Et pour commencer le rang, donc il faut faire un maille en l'air, une maille en l'air comme ceci. On va tourner et on va faire un rang de mailles serrées. Donc là, on a notre première, on pique ici dans la deuxième, les mailles serrées, vous avez déjà fait un rang. Et donc, on va continuer un rang de mailles serrées. Donc, je vais aller jusqu'au bout avec vous rapidement. Un rang de mailles serrées. Donc, je vais profiter pour vous parler. Donc là, c'est vraiment pour les débutants. Et je vais essayer de faire donc les ouvrages tous les mercredis. Uniquement pour les débutants, pour les personnes qui vraiment commencent le crochet et qui ont qui prend un crochet pour la première fois de leur vie et qui souhaitent donc apprendre à faire le crochet. Donc il faut déjà apprendre les bases avant d'attaquer des choses un petit peu plus difficiles. Et là déjà dans cet ouvrage, donc on a 3 points de base qui est la maille serrée, c'est ce qu'on est en train de faire, la maille serrée. Ensuite on a la demi-bride et la bride. Voilà, donc déjà vous aurez appris aujourd'hui à faire trois sortes de points. Donc là on arrive dans la dernière qui est un 3 mailles en l'air, donc 1, 2, 3. Et on pique donc dans la troisième maille en l'air pour faire notre dernier maille serrée. Voilà. Ensuite, une fois arrivé à la fin, vous allez monter 2 mailles. 1, 2. Je refais plus doucement pour celles qui n'ont pas bien compris. C'est comme les mailles chaînettes. Vous prenez de la laine, vous tirez à travers de la laine et à travers. Voilà. Et on tourne. Vous avez compris, 2 mailles en l'air, donc qui représente une demi-bride. On va faire un rang de demi-bride. Donc là, vous avez la première, on pique ici. 3 sur le crochet et on tire à travers des 3. Donc là, c'est un rang de demi-bride. Je prends un peu de laine. Alors, pour, voilà, donc en demi-bride, tout jusqu'au bout. Alors, vous pouvez aller sur, je mettrai dans la description, donc le lien pour aller sur mon site. Vous pouvez trouver différents ouvrages,
la laine, des crochets, voilà, tout ce qu'il faut pour commencer à crocheter. Plus tard, je vais commencer aussi à faire des propositions pour être membre exclusif, voilà, avec des exclusivités, etc. Donc, allez sur le site, inscrivez-vous en newsletter et vous allez recevoir donc toutes les informations par rapport à les projets du crochet à venir. Donc, voilà, j'arrive au bout, je vais vous montrer. Donc ici, on a une ici. C'est vrai qu'avec les mailles serrées, c'est pas évident. Mais on a une maille en l'air qui est juste là. Donc il faut vraiment piquer dans la dernière et faire la maille en l'air. Et cette laine, elle est super parce que là, elle change de couleur. À moitié vert, à moitié vert. Voilà. Et après, elle devient rose. Mais je ne sais pas si j'arriverai jusqu'au bout pour qu'il y ait le rose. Donc là, on a fait une rang de mailles serrées, une demi-bride. Vous avez compris. Là, on va faire un rang de bride. Donc, trois mailles en l'air, qui est la hauteur de notre bride. On va retourner le travail. Et on va faire notre bride. Donc, pas ici parce que là ça représente le bride. J'ai quelqu'un qui est venu me voir que j'ai pas envie de voir. C'est une petite mouche. La petite mouche qui veut apprendre à crocheter. Alors, la bride ici, mais elle est, regardez où elle est. Bien sur moi. Hein. Ouh. Il n'y a rien de pire que quand on est en train de faire du crochet. Je suis sûre qu'il y en a qui vont dire que c'est vrai. On est en train de faire du crochet, il y a des petites mouches qui viennent nous embêter. Oh, il n'y a rien de pire. La petite parenthèse de Claire se plaignait des mouches. Et en ce moment, il y en a beaucoup. Hein. Je ne sais pas si la chaleur ou le fait que là, il fait un petit peu meilleur. Et, je ne sais pas, mais il y en a pas mal. Pourtant, j'habite en ville, mais... Il y en a pas mal qui traînent. Alors, revenons à nos brides. Un jeté. On va piquer donc dans la suivante. Comme ceci. Un jeté. On pique. Trois sur le crochet à travers deux. Mais je suis sûre que déjà, vous savez faire les brides. Ça va aller tout seul. Alors, c'est vrai qu'avec le coton, pour apprendre, c'est vraiment super. Parce que ça glisse tout seul et vous n'avez pas... Voilà, vous piquez pas dans le mauvais endroit parce que les petites chaînettes, les petites mailles sont bien formées. Donc, c'est vrai, pour commencer, utiliser le coton, c'est vraiment pas mal. Alors, pas un coton trop fin. Voilà, je pense qu'un coton avec un crochet de 4-5 mm, c'est ce qu'il y a de mieux pour commencer. Donc, voilà, pour cet ouvrage, vous allez continuer jusqu'au bout. Et ensuite, je vais vous laisser donc monter toutes les mailles en alternant mailles serrées, demi-bride et bride. Et vous continuez jusqu'à ce que vous avez votre carré. Donc, c'est tout simple. Comme je vais vous montrer, par exemple, celle-ci. Bon, attendez, je vais aller jusqu'au bout, ça va être plus simple. Je vais faire mes... demi-bride, mes brides, pardon, jusqu'au bout. Voilà. Et vous pouvez crocheter avec moi en même temps. Je vais accélérer. Vidéo pour aller au bout. Elle est dingue cette mouche. Elle m'embête. Hein? Elle m'embête. Donc j'arrive au bout.
Voilà, donc je suis arrivée au bout. Vous avez les deux mailles en l'air. On pique dans la deuxième et on finit le tour. Voilà. Donc là, arrivée au bout, on va mesurer la longueur qui fait, qui le mien est fait. Donc il fait 17 cm. Donc en fait, là, je vais faire. Si vous voyez 17 cm, je vais faire un carré de 17 cm. Donc vous voyez, j'ai encore un peu de. Si je fais 17 cm, voilà, je dois faire encore 17 cm. Vous pouvez faire un rectangle si vous voulez, ça n'a pas d'importance. Moi j'aime bien les lavettes en carré. Voilà, après, une fois arrivé à la fin, je vais vous montrer comment faire le tour. Voilà, donc j'ai terminé ma petite lavette. Ou gants de toilette, vous appelez ça comme vous voulez. Et regardez, il a changé de couleur aux dernières minutes. Donc pour moi, c'est quelque chose d'original et unique. Voilà, personne d'autre aura ce genre de gants de toilette à la maison. Donc si je mesure, je vais tirer un petit peu, hein, parce que c'est pas. Si je mesure, je suis pratiquement un carré. Voilà, je n'ai pas vu en bas. Donc je mesure tous les côtés. Voilà. Oh, à quelques millimètres près, parce que bon, la laine, ça bouge. C'est parfait, j'ai mon carré. Donc là, on va continuer à faire le tour. Alors, c'est tout simple. On va juste faire une bordure en maille serrée tout le tour. Il n'y a que dans les coins que ça va changer. Donc en fait, je vais faire deux mailles en l'air ici. Et je vais dans le coin piquer, donc dans l'espace entre les mailles. Alors, pas dans la maille, mais dans l'espace. Vous voyez, ça se forme un espace ici. Et là, je vais faire, donc, dans cet espace-là, je vais faire trois mailles serrées. Donc, je pique, je ramène la laine, je reprends la laine sur le crochet et je ramène à travers les deux. Donc là, je fais trois dans le même, deux et un troisième. Voilà. Donc en fait, ça va former un petit peu le coin. Ensuite, je vais faire tout le long. Donc là, il faut essayer de être assez égal et peu importe le nombre, mais essaye de les espacer, de pas trop faire au même endroit. Vous allez tout simplement faire des mailles serrées tout le long, sur le bord, jusqu'à ce que vous arriviez au bout. Donc, je vais piquer un peu au hasard, mais je vais essayer de les espacer assez que ça soit égal quand même. Voilà, pas des gros espacements. Par exemple, je vais pas y piquer là. Je vais essayer de vraiment piquer sur le bord. Donc, on s'en fout s'il y a des trous, hein, parce que en même temps, c'est une grande toilette, hein, c'est une lavette. Hein, donc, les trous, il faut juste qu'on essaye de faire le plus harmonieux possible. Là, j'ai un espace. Là, je vais piquer, vous voyez, sur le bord. Donc, moi, ça fait un petit bord rose. Quand je vous dis que c'est original. C'est vraiment pour débutants, donc c'est si c'est votre premier ouvrage, soyez fiers. Hein. Moi je vous dis, soyez fiers. On pique. Et ça peut faire des jolis cadeaux, vous savez, Noël, fête des mamans, anniversaire. Vous achetez une petite savonnette, vous savez, des savonnettes un peu fantasy ou des savonnettes bio, des choses comme ça, parce que bon. Ça reste dans le bio. Et ben, vous pouvez faire un petit paquet avec quelques savonnettes. Vous savez, des boules. Il y a des boules qu'on vend aussi dans les parfumeries. Des boules pour aller dans les boules effervescentes qu'on met dans le bain. Des choses comme ça que vous pouvez mettre avec pour faire un joli cadeau. Faites un petit ensemble,
C'est très sympathique. Donc là, on arrive au bout. On arrive au bout. J'essaie de faire aussi harmonieux possible. Et on arrive dans le coin. Donc, on va faire pareil. On va piquer ici dans le dernier espace. Et on va faire 3 dans le même. 3 mailles serrées dans le même. Et on va tourner sur le coin. Donc là, on est sur notre deuxième côté. Donc là, ça va être un petit peu plus facile. Et je vais en même temps rentrer donc mon petit fil en même temps. Donc là, il suffit de piquer dans chaque... Hop. En faisant des mailles serrées, on va piquer jusqu'au bout dans chaque maille sur le bord. Vous voyez, ça fait un petit fil, on va piquer en dessous et en même temps je rentre le fil, donc je tiens le fil le long comme ça, je vais pas le faire après. Donc là c'est plus facile parce que là on est guidé. Je suis assez contente parce que là ça fait un bord rose parce que mon fil change de couleur au fur et à mesure. En ce moment, à Action, ils ont plein de fils coton comme ça. Donc, profitez parce que ça ne dure pas longtemps. Les fils coton. Donc, faites un petit stock si vous avez envie de faire des cadeaux comme ça pour Noël. Vous pouvez faire un petit stock et après ben, faire cet ouvrage au moment de Noël. Pourquoi pas? Et puis ça peut aller à tout le monde, que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, voilà. Même un homme, hein. Vous faites quelque chose en bleu avec un ensemble rasage, par exemple, je ne sais pas. C'est des petites idées que je lance comme ça. Donc, on arrive à l'autre bout. Moi, je fais tout le long. Donc, peu importe le nombre de mailles que vous avez, il faut, quand vous arrivez au bout, on forme le coin. Donc là, je vais en faire encore une ici. Et dans l'espace ici, je vais mettre donc mes 3 mailles serrées dans le même. Voilà, les 3 dans le même. Et je continue donc sur le troisième bord. Pareil, en essayant d'avoir les mailles égales. Oups, ça a glissé. Les bruits que vous entendez derrière, c'est mes chiens. Ne vous inquiétez pas. Ils font des... drôle de bruit des fois, on entend sur toutes mes vidéos parce que je suis entourée de bêtes. Je suis obligée de le dire en fait sur toutes les vidéos parce que j'ai des commentaires qui sont des fois un peu bizarres. Donc c'est où ils jouent, voilà, où ils sont en train de manger. Et oui, c'est chez moi et chez moi, voilà. Elle vient d'éternuer. Merci aux allées. Merci. Les abonnés, ils apprécient les bruitages d'animaux. Mais bon, c'est comme ça. C'est très, très nature à la maison. Voilà. On ne se prend pas la tête. On fait des vidéos avec les bruitages d'animaux. Alors, j'arrive à le coin. Alors, vous êtes sûrement en train de crocheter en même temps que moi. Moi, j'arrive au bout ici. Donc, c'est le dernier coin. Alors, moi, j'ai fini avec un rang, c'était un rang de bride. Donc, il y a 3 mailles en l'air.
Donc, je vais arriver au bout. Et dans l'espace ici, peu importe ce que vous avez, vous faites vos 3 mailles serrées dans cet espace-là. Là, ça va être le dernier, ça va être plus simple puisque c'est que des brides ou des demi-brides ou des mailles serrées que vous avez fait. Et on va faire donc dans chaque point, donc chaque maille, vous faites une maille serrée. Peu importe comment vous avez terminé. Moi, j'ai terminé avec des brides. Donc, je fais des mailles serrées. Je suis pratiquement hors caméra. Je regarde pas, je regardais mes mains. Voilà. Et je vais jusqu'au bout. Donc là, vous avez appris avec cette petite lavette gant toilette. Vous pouvez même faire la vaisselle avec. Moi, je sais que j'avais vu une autre crocheteuse qui faisait, ben, c'était des triangles ou des losanges, et elle les doublait et elle l'utilisait pour faire la vaisselle. Voilà, c'est économique. Et c'est assez fantaisie. Alors, j'arrive au bout. Je suis arrivée dans la dernière. Je vais quand même. J'arrivais là. Donc, ici, je vais en faire une dernière. Et je vais faire donc ce qu'on appelle une maille coulée dans la première maille serrée. Donc, je vais juste piquer directement. Je prends de la laine. Je ramène et je ramène sur la maille qui est sur mon crochet. Voilà. Alors, pour bien sécuriser, je vais faire une deuxième. Donc la même chose. Et là, je vais donc faire un petit attache pour qu'on puisse le suspendre. Donc tout simplement des mailles en l'air, vous faites le nombre que vous voulez. 4, 5, 6. Bon, je teste un peu. Je fais généralement le tour de mon doigt comme ça pour voir la grandeur. Donc là, il faudrait peut-être deux de plus. Voilà, vous voyez. Donc je fais le tour de mon doigt et je vais retourner donc dans la maille, dans la même, ramène à travers et à travers avec une maille coulée. Je vais faire à côté dans la maille, dans la deuxième maille serrée, et je vais encore faire une maille coulée. Voilà, je tire un petit peu sur mon fil, je coupe, oups, voilà, je ramène le fil à travers et je tire bien fort. Voilà, donc ça c'est mon petit pour attacher. Et voilà, j'en ai deux pour faire des petits cadeaux. Donc une plus grande, celle-ci elle était plus grande, je vais mettre, voilà, et une petite. Donc là, ça peut être par exemple pour un adulte, la grande, et la petite pour un enfant, pourquoi pas, ou même un bébé. Donc ça peut faire des très jolis cadeaux. Comme je vous disais, avec un petit savonnette, un petit parfum, quelque chose. Pour Noël, pour les anniversaires. C'est très joli. Et voilà, vous avez appris aujourd'hui à faire 3 mailles différentes. Donc les mailles serrées, les demi-brides et les brides. Et même les mailles coulées à la fin. Des chaînettes. Donc un petit ouvrage qui est très bien pour vous exercer. Voilà, donc à vos crochets. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel. Abonnez-vous à la chaîne, appuyez sur la petite clochette, vous aurez à chaque fois une notification quand je poste. Donc j'essaye de poster régulièrement. Le vendredi, ce sont des choses un petit peu plus élaborées, et le mercredi, c'est pour les débutants. Voilà, donc je vous fais des gros bisous. Merci, merci d'avoir suivi ce tutoriel, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.